Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter mon camion, ça fait quelques temps que j'en parle. Alors voilà, il n'est pas tout à fait comme je souhaiterais, il manque encore 2-3 petits détails. Mais bon, on s'en fout, il est déjà pas mal. Je vous fais une petite vidéo de présentation de mon camion. Alors, on va commencer par le poste de pilotage si on peut dire. Hop, petit camion. Alors, très classique, un petit mégaphone évidemment, un petit siège pour le confort, ah, les lunettes de soleil qui traînent, hop, le mec de café, une petite gourde, un petit porte-manteau bien pratique, là il n'y a rien d'accroché. Voilà pour le poste de conduite. Ensuite, de l'autre côté, le coin passager, sac à dos, petit vide-poche, petit poste CD pour écouter les groupes du coin. Ensuite, une poubelle qu'on voit d'ici, hein. Un peu de bordel dans un tiroir en carton. Maintenant, la partie la plus intéressante où j'ai le plus travaillé, le reste par le tiroir en carton. Hop. Alors déjà le vélo qui est attaché là, le petit rideau pour la nuit, hop, la guitare, la valise, tout un tas de bordel, le lit, et là, évidemment, et en bon communiste, j'ai toujours à portée de main un marteau et une faucille. On sait jamais s'il y a de la pelouse à couper, un chemin à débroussailler. Hop, donc je disais, il y a le lit. Je vais vous montrer après comment ça se déplie. Là, porte-manteau avec les sacs de couchage, encore un mégaphone, on sait jamais. Hop, un autre petit rideau pour la nuit. Et je vais vous montrer le lit. Alors ça prend vraiment 2 secondes à déplier, même à une main je peux le faire. Hop, on débloque les pieds pour être sûr qu'ils se posent bien. Hop, tac, hop, là il y a un matelas, on est en mode canapé. Et attention, haute technologie, c'est dualité, on déplie ça. Bon, faut avoir enlevé un petit peu les trucs sur le porte-manteau et hop, on a un lit de place. Elle est pas belle la vie. Eh oui. Allez, je déplie le lit complètement et je vous montre ce que ça donne par la porte arrière. Alors, voilà ce que ça donne en mode lit. Du coup, il y a encore de la place pour mettre le matériel de camping. Ouh, il y a du vent, on est dans les champs. Hop. Il y a encore de la place pour mettre du matériel de camping, des outils, des enceintes, tout un bordel. Voilà, du coup on peut partir à 3 en tournée. Bon, à 3 on sera un peu tassé, mais bon, ils sont jeunes, c'est des potes. Hein, allez. Voilà, c'était un petit tour de mon camion. J'espère que ça vous a plu, ça change un peu de mes vidéos d'habitude. C'est fait à l'arrache à la GoPro, j'avoue, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Just do it.